Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un retour de course spécialement chez Leclerc. Et quand je suis toute seule, j'en profite pour faire un tour dans le rayon vaisselle parce que vraiment ils ont de très très belles choses et surtout en cette période de l'année. Avant de commencer la vidéo, allahumma salli wa sallim barik ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Retour de course. Et c'est la suite un petit peu d'hier, parce que hier j'ai partagé avec vous les fruits, les légumes, une petite partie de viande, pour le mois. J'ai changé la date des courses. Avant, je faisais plutôt fin ou début de mois. Maintenant, j'ai pu, je dirais, reculer jusqu'au 15. Et hier, on parlait de faire attention, de faire des économies, de savoir gérer son budget course, ses courses, de faire attention aussi. Voilà, à ses courses, on peut bien manger, manger à sa faim. Et il faut savoir tout simplement, en tout cas, c'est ce que je pense, comment consommer. Voilà, bien manger, par exemple, pour le midi, un bon repas du midi et quelque chose de plus léger, plus light. Et en plus, c'est mieux pour la santé, pour le soir. Voilà tout. Regardez vraiment, vous avez de très 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 belles vaisselles en ce moment, un petit peu de partout, dont Leclerc. Vraiment des jolis plats, des jolis services, des jolies assiettes, etc. Regardez celle-ci aussi, elle est juste magnifique. Elles sont vraiment très très belles, ces assiettes. Et en cette période, vraiment, vous pouvez trouver pas mal de choses et puis vous pouvez tomber aussi sur des promos. On va commencer ce retour de course par le surgelé pour que je puisse vite l'enlever. J'ai trouvé une promo sur les frites. Comme ça, je pourrais en plus les mettre à la air fryer, là juste au four. Ça, c'est bien parce que franchement, il y a un kilo, un petit peu plus d'un kilo 500. Ensuite, je vais mettre là. Alors, il y a quelque chose qu'il faut absolument avoir avec ces fronds d'artichaut, c'est cela. Les petits pois Garden PS sucrés et fondants. En fait, ils sont plus gros. Ils sont beaucoup plus gros que les normales. Et ça, très souvent, on les trouve que en cette saison. C'est-à-dire pour l'automne et l'hiver. Et ils sont plus gros. Et pour faire un tagine avec les fonds d'artichaut. Voilà. Les fonds d'artichaut, je ne me casse plus la tête. J'achète plus des artichauts frais. C'est très très rare.
Ensuite, j'ai pris des haricots verts pour faire soit en salade, soit aussi. Vous savez, les tagines avec plein de légumes, j'en rajoute aussi. La dernière fois, j'en avais plus, j'ai pas pu faire avec. Des bâtonnets comme ça, du poisson pané pour les enfants. Nous, pour les grands, j'ai pris comme ça. L'atelier poisson, pareil, il est en promo. J'ai dit, ça ira très bien avec une petite salade, de la purée ou autre. Des rostis. Alors ça, c'est une pépite, ça, franchement. On aime bien à la maison. Par contre, le prix, il a bien augmenté. Une promo sur les pâtes feuilletées, j'ai pris deux lots. Comme ça, celle-ci, en plus, c'est les numéros 1, hein. Celle-ci, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout, c'est super. Et je me suis dit, comme ça, voilà, j'ai mon stock, en fait, pour préparer les recettes de fête de fin d'année, les feuilletés, tout ça, voilà, des recettes super express, faciles, qu'on aime en cette période de l'année. De la mozza râpée, j'en ai pris deux. Et j'ai pris de l'emmental râpé. Alors, la dernière fois, pour mon grand retour de course, je vous avais dit que j'allais arrêter d'acheter de l'emmental râpé parce que c'était hyper cher et que j'achetais en bloc. Sauf que franchement, je suis très très souvent en train de faire plein de choses. Je suis pressée, j'ai pas le temps. J'ai râpé en fait un paquet et il n'était pas comme je voulais. Il n'était pas hyper fondu, tout ça. Je me suis dit, tiens, en fin de compte, le prix, franchement, c'est pareil. Mieux acheter comme ça en grand format, 1 kg. En tout cas, pour l'emmental râpé, pour le fromage râpé, il est moins cher. Je le mets dans des petits sachets. Voilà, et comme ça, je pourrais le mettre au frigo. J'ai pris une bûche de chèvre pour pouvoir faire une pizza. Voilà. Du thon aussi pour la pizza. Je vais m'arrêter sur le frais, comme ça, je vais pouvoir ranger ce beurre-là. Et c'est vraiment une pépite, hein. Franchement. D'habitude, je prends soit président, soit... Le breton, quelque chose comme ça, je ne sais plus c'est quoi la marque, bref, pour les tartines. Hein. Et comme j'avais trouvé la dernière fois la promo sur ce beurre-là, depuis, franchement, on aime beaucoup, il est super, il est top, top ici. Ensuite, j'ai pris deux beurres comme ceci pour de la pâtisserie et celui-ci pour tout ce qui est cuisson, tout ce qui est à faire revenir voilà, à la poêle avec les légumes, tout ça. Allez, on continue avec le frais, de la ricotta, des fromages comme ça pour faire les sandwichs, emmental, il y a ou cheddar ou emmental, mascarpone, j'en ai pris deux, j'ai pris deux gros formats, pareil, pour les recettes de fête de fin d'année. Là, il y a une promo sur le riz au lait, sur un lit de caramel, ceux-là, c'est mes préférés, j'aime pas le riz au lait, quoi, j'aime pas le riz au lait. Si, mais il y a certains riz au lait qui passent pas. Et celui-là, j'avais goûté juste comme ça, mais j'ai même envie d'en prendre la deuxième quand je commence. Perle de lait, citron, ça pour faire des gâteaux yaourt, c'est top. Je vous avais déjà partagé une recette il y a un moment. Je me suis dit, tiens, déjà ils sont très très bons. Franchement, ils sont excellents. Et je me suis dit, d'habitude je prends noix de coco. Je me suis dit, tiens, je vais changer, je vais prendre citron pour pouvoir faire un gâteau citron et partager avec vous. De la crème légère. Alors, c'est trop bizarre parce que d'habitude, au litre, c'est moins cher. Une brique comme ceci. Voilà, là, j'ai pris une brique pour tout ce qui est dessert, voilà, pour monter en chantilly. Ou même, on peut l'utiliser dans les plats salés, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, généralement, je l'utilise plutôt pour les desserts. Là, la chantilly montée... La crème montée en chantilly, pardon, pour les futures bûches, les futurs gâteaux que je vais présenter et vous partager dans ma chaîne. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Au lieu d'acheter en petites briques comme ça, je vais acheter en litres. Et en final, non, il y avait quelques centimes. Alors, ça me revenait moins cher de prendre comme ça. Il faut toujours regarder les prix. Toujours, toujours et surtout, surtout au litre. Pour finir, le frais. De la faisselle. Voilà, ça, j'ai acheté pour ma petite maman. Je sais qu'elle aime bien. Comme je vais aller chez elle, je vais emmener. J'ai pris du cantal comme ceci en tranches. Voilà, parce que pareil, je veux faire un sandwich comme ça. J'ai le souvenir d'en avoir mangé un très très bon. Franchement, c'était excellent. Pareil, avec des tranches de pain, d'avoir mangé un bon burger comme ça. C'est monsieur qui me l'avait fait. Il était vraiment excellent. Pareil, on avait utilisé des tranches de fromage. Alors, je ne sais plus, mais il me semble que c'était du cantal, quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas.
C'est un burger en fait, mais au lieu d'utiliser du pain burger, vous prenez des tranches que vous allez bien toaster. Voilà, et il avait fait passer, je sais, à la poêle avec un petit peu de beurre. Et au lieu de mettre du fromage un petit peu sans goût, là, comme ça, bon, ça passe bien pour l'Écosse. Mais ça, c'est plutôt pour monsieur et moi. Non, pour des burgers un petit peu plus, voilà, plus goûtus, on va dire. Et ça, les enfants, ils n'aiment pas trop, hein, souvent. Ça passe, mais ça, si tu leur mets ça, il leur faut même de fromage, quoi, pour eux, tellement qu'ils aiment. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment l'image. Comme monsieur m'avait fait, mais sans légumes. Et tiens, pourquoi pas de rajouter des légumes comme ça? Trop fière de moi. Vraiment trop trop fière de moi parce que le mois dernier, ce mois-ci, j'ai acheté très peu de gâteaux. Mais très très peu. Ce que je vous ai montré la dernière fois, à peu près à la même date. Ouais, je fais maintenant les grandes courses mi du mois. Là, ouais, mi du mois. Vers le 15, quelque chose comme ça. Ben, ce que j'avais acheté, eh ben, c'est à peu près la même quantité que j'ai acheté. Et c'est pour tout le mois, c'est-à-dire que ben, en fait, je fais beaucoup plus de fait maison. Voilà. Et puis sinon, c'est des tartines avec du beurre et de la confiture. Avec, nous, on aime bien beurre miel. Nous, on aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que plus pour petit-déj, mais bon, on peut faire. Sinon, pâte à tartiner, etc. Voilà, msemen, gâteau maison, harcha, etc. Des choses de la maison et du fait maison. Malgré que ça coûte de plus en plus cher, hein, le fait maison. Là, j'ai pris uniquement ça, en fait, parce que ça, c'est pour une recette. Voilà, que j'ai bientôt partagé avec vous. Ça, c'est pour une autre recette. Ça, c'est plus pour un dessert. Voilà. Là, c'est pour une autre recette. C'est pas vraiment pour manger, à part si je peux leur en donner un petit peu comme ça quand je vais ouvrir, voilà, pour grignoter. Il y a vraiment que ça que je leur ai fait plaisir. Je me suis dit, allez, vas-y. Voilà, sinon j'ai acheté du chocolat noir pâtissier pour faire des gâteaux maison. Et là, pour une recette, du chocolat praliné pâtissier. Voilà, et là, un petit plaisir pour le soir, amandes croquant et orange confite. J'aime bien ça. Là, comme on va aller chez ma maman, je me suis dit, tiens, pour faire plaisir aux enfants, tout ça, on se fait une petite soirée. Oui, mon cœur. Oui. Ça, c'est du chocolat, oui. Et ça, on va amener avec nous chez Mouiman Chana. J'ai trouvé une promo sur la Maizena. Alors, j'ai vite pris, malgré que j'en ai encore un petit peu. Et puis, c'est un grand format. Bah, je crois que c'est 1 kg, ça, non? Moi, j'ai pas la quantité. 700 grammes. Alors, je me suis dit, tiens, super. Du thon nature, j'ai déjà à l'huile. J'ai pris uniquement ce que j'ai besoin. Ce que j'ai déjà à la maison, je n'ai pas pris. Et franchement, j'ai payé cher. Franchement, je trouve que c'est super cher. Du sucre, parce que je viens juste d'ouvrir une boîte, quoi, un paquet. Comme ça, voilà, je ne suis pas en rab. Surtout avec le fait maison, les gâteaux maison, tout ça. J'ai pris de la compote de pommes et de la compote de poire. Voilà. Le lait, le fameux lait en poudre, c'est celui-ci, du lait. Demi-écrémé, voilà, que je prends de cette marque-là. Sinon, en fait, parce que tout à l'heure au magasin, j'étais là en train de secouer le paquet. Là, c'est un paquet, la poudre, dont la poudre est très très fine. Le lait entier, c'est plus granuleux. Voilà, c'est pour ça que je me souvenais plus. Je me suis dit, zut, je me trompe tout le temps. C'est lequel? C'est lequel? Finalement, c'est bien celui-ci. Voilà, screenez-le si vous avez besoin. Comme ça, ça remplace le lait et c'est beaucoup moins cher que le lait. C'est beaucoup, beaucoup moins cher. Là, moi, cette boîte, elle me fait tout le mois, même plus, hein. Ça dépend des recettes que je vais faire, mais j'en rajoute. Je peux en rajouter dans mes préparations à base de lait. Je vais faire la conversion, en fait, qui est juste ici. Voilà. Là, par exemple, pour obtenir un demi-litre de lait demi-écrémé, il faut mettre 450 millilitres d'eau avec 6 cuillères à soupe de régilet, de cette poudre-là, soit 25 grammes. Voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, vous pouvez la rajouter dans plein de choses. Et puis, de toute façon, là, voilà, vous avez des recettes pour une béchamel, pour une quiche salée, quiche tarte salée, pardon, gratin, flan, yaourt. Non, mais franchement. Du riz, parce que j'en ai presque plus, et ça, bah, on aime beaucoup le riz à la maison.
J'ai pas acheté de basmati parce que j'en ai encore. La sauce basilic, ça qui m'aide énormément dans tout ce qui est préparation à base de pâtes. Les lasagnes, pâtes au poulet, à la viande hachée, etc. Voilà, j'ai pris ça. Sinon, j'en ai pris 6 de briques comme ceci. Ça, pareil, je rajoute dans mes sauces à base de tomates. Ou bien, je mets une brique aussi, ou à peu près, ça dépend de la quantité dont j'ai besoin, pour tout ce qui est halala, sharba. Surtout là, cette saison. J'ai pris du café comme ça parce qu'il est en promo et c'est surtout c'est le café que j'utilise en ce moment. Sauf que je me suis trompée. D'habitude, c'est bien celui-ci, expresso, mais en grain. Là, j'ai pris moulu. En fait, il était bien en grain. À côté, quand en plein centre, il y avait le bio et de l'autre côté, il y avait celui-ci, le moulu. Mais en fait, j'ai vu qu'il était tellement bien compressé comme ça. Je me suis dit, super, j'ai déjà un paquet d'ouvert. Ben voilà, je me suis dit en fait pour la meilleure des conservations, c'est bien qu'il soit bien pressé comme ça quoi. Et non. Et non, et non. Par contre, on m'a dit ouais, de le mettre au frigo. Alors dites-moi s'il vous plaît en commentaire. On m'a dit pour une meilleure. Oh là là, ça sent plein nez le café. J'aime trop ça. On m'a dit pour une meilleure conservation, et ben de le mettre au frigo. Ben dites-moi. Voilà. Il va falloir que j'aille le changer, le mettre de côté. J'ai pris du cacao non sucré, celui que j'utilise pour tout ce qui est gourmandise chocolatée, crème chocolatée, gâteau chocolaté, voilà, et que je ne mets pas du chocolat comme ici en tablette. C'est beaucoup plus avantageux, c'est économique. Pour 250 grammes, je l'ai payé à 1,77€. Je mets généralement 2-3 cuillères à soupe et franchement, ça me dure, hein. Après, ça dépend des préparations que je vais faire. Et si j'en fais chaque semaine et tout, souvent, voilà. Mais voilà, là, pour le mois, ils me font un paquet. Voilà, là, c'est vrai que j'ai acheté en tablette parce que j'aimerais faire de la pâte à tartiner. Mais je crois que je vais utiliser plutôt celle-là parce que ce matin, j'ai eu un conseil d'une personne. Merci à elle. Et là, c'est plus pour tout ce qui est brownie. Voilà, je peux utiliser ou bien même concasser. En pépites de chocolat. Je verrai bien. J'ai pris de la sauce poivre comme ça parce qu'elle est en promo et elle me faisait de l'œil. Ne pas faire les courses quand vous n'avez pas mangé. Si vous avez super faim. Sauf que moi, je jeûne en ce moment. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est une pure gourmandise. Non, mais avec un steak. En fait, je me suis dit avec un steak, un bon steak, un bon filet. De chez le boucher. Et ben, je me suis rabattue sur la marque du magasin pour le cacao sucré pour les enfants. Parce que d'habitude, je prends l'autre marque dont il faut absolument boycotter. Des croutons, voilà, pour rajouter dans un velouté, dans une soupe. Comme pâte, j'ai pris que celle-ci parce que j'en ai déjà. J'ai pris les tagliatelles, sinon j'ai le reste. J'ai ce qu'il faut. Voilà. J'ai pris pâte. Et ce riz-là, et puis c'est tout. La sauce algérienne, parce que c'est notre préférée, et elle part très très vite. Du coton, parce que ben, j'ai des disques et pas de coton, ça pour tout ce qui est blessure. Bref, hop. Voilà, obligé, hein, avec moi, obligé. Du savon, des recharges de savon comme ça, voilà. Pareil, un dans le mois, ça me suffit. Quoi, un dans le mois? J'en ai pris 2, un pour le bas et un pour le haut. Sinon, on a les pains de savon. J'ai trouvé ce gel douche, huile de douche. Alors, il y a eucalyptus, plante de thé et l'autre, je ne sais plus. Bref, il y en avait 3. La marque Dove et il y avait 2€ de réduction. Je l'ai payé 1,50€, je crois. Il me semble bien, convient aux vegans. Bon, bah, ça tombe très très bien. Du papier de toilette humide pour les enfants, j'en ai pris 2. J'ai trouvé une promo, pareil, sur la crème Mixa, crème panthénol, confort, nourrisson, anti-démangeaison. C'est pour tout le monde, hein. Pas que nourrisson, mais à partir du nourrisson, c'est-à-dire vraiment pour toute la famille. Visage, corps, main.
Voilà, et surtout efficace, j'espère qu'elle est bien, hein, je vous dirai, efficace sur les quatre signes des peaux à tendance atopique, sensation d'irritation, sécheresse, rougeur, rugosité, nourrit et réconforte 48 heures sans parfum. Voilà, pour les peaux très sèches et réactives, bébé, enfant, adulte. Je l'ai payé un petit peu moins de 5 euros. Voilà, je me suis dit, bah tiens, ça tombe très très bien parce que j'en ai presque plus. Mes enfants grattent énormément en cette période. Et encore là, ça n'a pas vraiment commencé. Hein. Encore chez la petite, voilà, ça fait deux fois où là, elle se gratte et je lui mets de la crème. Sinon, il faut vraiment que je les tartine. Dans pas longtemps, c'est ce que je vais devoir faire. Je mets vraiment beaucoup, beaucoup de crème et je masse énormément. Et j'utilise un gros, gros pot d'une marque qu'il faut boycotter aussi. Et j'allais acheter, heureusement que j'ai pas acheté. Quand j'ai su qu'il fallait boycotter, je me suis rabattue sur celle-ci tout à l'heure. Je me suis dit, espérons qu'elle aille bien et qu'elle calme surtout les démangeaisons de mes enfants. J'ai pris du liquide vaisselle comme ça. Il m'en reste un et je me suis dit, tiens, pour finir quoi? Pour continuer dans le mois, tout ça. Activateur de blancheur, de blanc, des tablettes. Je vais essayer, je vais voir. J'en ai entendu parler sur Instagram. Voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. C'est JN, merci beaucoup, Gigi. Que j'aime beaucoup cette fille en plus sur Instagram. Je vous mettrai son compte Instagram. Elle est franchement juste extraordinaire. Elle se bat comme une malade contre ce qui se passe en ce moment. Il faudrait lui donner la médaille, je vous promets, hein. Franchement. Mais un truc de fou. J'ai même pas les mots tellement que c'est fort. C'est très très fort ce qu'elle véhicule et tous ses partages par rapport à l'actualité là en ce moment. Et chapeau. Vraiment, tu as mon chapeau bas, JN. J'ai pris des lingettes. Ben ouais. Puisque ça, on peut vite avoir un incident. Des sacs de congélation, 3 litres. Et 6 litres d'habitude, quoi. Avant, je prenais chez Leclerc. Là, depuis un moment, chez Action, mais j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas la matière. J'aime pas, je trouve que c'est pas top. Et une petite gourmandise, parce que je jeûne, j'ai pris des mini viennoiseries. De ce côté-là, j'ai pris du poisson pour pouvoir faire une pastilla au poisson. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie. J'ai du calamar déjà, j'ai quelques crevettes. J'en ai rajouté un petit peu ici. J'ai pris vraiment une petite poignée. Ouais, à peu près 250 grammes, mais ce sera plus pour décorer. J'ai pris ce qu'il faut, hein, voilà, du filet de merlu et j'ai pris du dos de cabillaud. J'ai pris du congre. Ça, par contre, c'est pour un tagine de poisson avec des légumes. Du saumon. En promotion, ça fait du bien. Là, il me reste de la purée de tomates et cette bonne quantité de farine. Voilà. Et j'ai pris des œufs. Je me suis rabattue sur cela parce que j'ai pas trouvé ce que je prends d'habitude. Et la promo, un petit peu de persil, du frais parce que j'ai de la coriandre, mais j'ai pas de persil pour la pastilla au poisson. Il faut absolument une marinade bien, bien fraîche pour avoir un bon goût. Surtout que, ben voilà, la pastilla au poisson est bien garnie. C'est quelque chose qui est très très bon, mais qui monte très très vite niveau prix parce que le poisson, c'est pas donné du tout. Voilà. Et bah, il faut avoir pour ça une bonne marinade. Et j'ai pris, il me semble, 6 packs d'eau. Ouais, non, 5 packs d'eau. Voilà. Mon petit plaisir du mois. très envie d'une raclette. On aime bien ça à la maison avec les enfants. Monsieur, c'est pas trop son truc, mais les enfants aiment beaucoup et c'est surtout, surtout pour nous rassembler, qu'on soit ensemble et passer de bonnes soirées avec les enfants, avec monsieur. Même s'il n'aime pas trop ça, on lui fera quelque chose à côté. Puis là, en plus, il y a une pierrade, voilà, comme ça, elle fait les deux. Je l'ai trouvé en promotion. Et je me dis, tiens, pourquoi pas aussi entre amis, avec la famille, tout ça, passer des bonnes soirées et être entouré des gens qu'on aime, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, ça encourage et ça motive à continuer.
Moi, je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, à bientôt et faites attention à votre budget course et à gérer vos courses tout simplement parce que c'est vrai que les temps sont durs. Même pour une personne qui gagne bien sa vie, ça monte très très vite. Ça a tout augmenté et pour pouvoir faire autre chose à côté, voilà. Je vous embrasse très fort, à bientôt, Inch'Allah.